Nouveau heure, hein? C'est ça, c'est l'heure à tout nouveau, c'est l'heure pour rencontrer avec Bonnie et Jean-Claude Zanon une analyse et commentaire politique américaine qui déroule là à partir de l'heure si là ça. Cependant, nous pétinons légèrement, mais n'a poté pour nous-mêmes segment et quantité de temps que nous gagnons pour nous-mêmes. En nous rappelant que le prochain forum communautaire pas fête en août, la fête plutôt le 11 septembre, marqué d'être dans Calpin, et le 11 septembre, il pourra le baser sur communication et médium de communication que nous avons dans la Coupe Boston. Comment marcher? Qui est-ce qu'on va faire pour marcher mieux? C'est le prochain forum communautaire que nous allons faire le 11 septembre dans le centre Bellevue. C'est pour le mois de septembre. Dans 30 jours, pour le mois d'octobre, ce sera le 9 octobre qui pourra le faire le troisième forum communautaire. Nous allons apporter le sujet à pour même avec invité de marque que nous allons gagner. Capté l'ouvrier chaque mardi de 6h à 8h sur 1580 AM. Chaque mardi de 6h à 8h, l'ouvrier Eye Opener avec Bonnie Saint-Elo, Ozan Neptune, Jean-Claude Zanon, Kiki Fleurissant, Bonnie Mbli et tout l'autre monde, Magnola, Charlottin, Edmond, Romulus, sans compter la triée de l'autre monde qui peut des contributions, Bernadette, Adonis, etc. Et Patricia Sanon, docteur Eustache. Depuis ce monde qui est dans la zone qui gagne information pour l'ouvrier, nous apprécions et nous passons entre 6h et 8h dans l'ouvrier qui fait sur Radio Concorde 1580 AM. Dans la Cour Boston, qui est-ce qui gagne en matière de politique qui a géré, c'est que moitié de temps dans la chose d'élection primaire, pas gagné encore, par le simple fait pas gagner assez de monde qui a couru dans la course politique. Et par une compétition tout à la fois. Cependant, Bonnie, il a décidé que à François, c'est élection générale que la pied. Mais je me demande pourquoi que d'un côté fini à courir là, qui c'est City Council, c'est pas City. On va comprendre City Council large, pas gagné assez de monde, parce qu'il faut que tu aies un total de 9 monde pour faire une primaire qui pour venir réduire à 8, et puis pour 8 là, courir pour venir réduire à 4. Ouais. Mais dans City Council la Boni, pour qui raison que pas gagner une élection primaire parce que il y a une compétition là-dedans. Bon, pratiquement il a gardé pour marginaliser la compétition. Tu viens faire une règle générale pour tout le monde dans ouais, ouais, tout le monde. Élection c'est pour novembre pour mesdames et messieurs dans la Coupe Boston. Élection municipale qui va gagner pour faire puis gagner raté occasion si là ça. Urban League qui saute faire un gros. Un gros. Un gros. Non, pas du festival, conférence. Conférence qui réunit un paquet de professionnels, un paquet de copes qui dépassent dans la ville là. Cependant, il y a du secteur noir là-bas, jouant rien, il y a 6 épiques des millions de dollars qui étaient dépensés. Et monde noir, il y a les grands vedettes, tout gros artistes, tout gros monde de marque qui est venu, pas vraiment passer dans le quartier noir pour dépenser comme là. Qui est ce monde qui jouit de privilèges ici là ça? Mais elle a un petit Jean Boudé ensemble avec jeune homme qui est en charge là, dans le domaine ici là ça. Et monsieur, Gale, comme si le dernier passage, monsieur avait essayé de faire un bel bagage pour aller dans l'autre côté, dans l'autre département, dans l'autre niveau. Et ça crée un problème. Il y aurait le Black Boston, mais pendant ce temps, il y a un pile monde qui est marginalisé. Monsieur n'a pas fait assez de réclames, il n'est pas entré dans la communauté ethnique, il n'est pas vraiment informer mon correctement, promotion mal faite, toute l'agence a dépensé, il y a demandé dans qui bénéfice de qui mon gueule conférence Urban League là. Bon, parce que pratiquement, l'intention c'est pour normalement te montrer comment que malgré tout effort, et Tamar cette affaire, particulièrement ville de Boston, bien mené nos frères, ils pensent que noir, ils sont ethnique, groupe ethnique, ça a négligé. Ils pourraient même faire allusion avec, depuis les Boston commencé. Que jusqu'à présent, nous n'avons pas réellement joué le privilège que nous avons joué dans Boston. Semble-t-il que malgré tout effort, Menino fait depuis le Reflin, à Menino, ils pensent que jusqu'à présent, négligé, taux chômage, ou, crime qui force les jeunes minorités au Cap Ferry, jusqu'à présent, qu'en en fait, ils ont manqué de promotion fait pour nous, surtout même dans le job gouvernement, dans le niveau city et state. Manque noir, manque représentation noir. Nous capable pour être on pense Henry Louis qui était un bel point côté que il pensait que
nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter de boire croisé, il faut voter, il faut participer, il faut faire civique, ça nous intéresse les droits. Exercer le droit civique et politique, non, pour nous carrément, ça n'a pas besoin. Daniel Williams, qui est en charge de Raven League, va m'appeler pour casser ça très lourd. Et comme l'a quitté l'organisation Silas pour aller pour ses bourriques pour plus devant, il a demandé nous est-ce qu'il vraiment a quitté une page en beauté de ce qu'il a accompli dans le domaine Silas. Toute consultation que serviteur Jean-Claude Sano, c'est dans 617-839-71-91, 617-839-71-91. Pour toute consultation dans les affaires immigration, traduction et divorce dans le pays d'Haïti, Banon Rel dans 617-839-71-91. Bonne bien frais matin là. Dans le monde républicain, Pollentry quitté course pour 2012 là, c'est un républicain qui a couru. Et à cause du résultat, ça a les straw poll, ça veut dire que le sondage qui fait dans Iowa, démontrer que il n'est pas bon, il n'est pas en faveur de monsieur. Il est vrai que monsieur Colbert, tu es vraiment demandé pour écrire nos pères mal pour qu'il ne pas passer du tout. Ainsi, donc, les magies, ça n'a pas fait. Pollentry, je m'excuse, Pollentry, c'est lui-même qui s'est tombé dans le cours Silasa. Mon qui remporte la victoire, c'est Michel Bachmann qui gagne Paul Silasa. Gouverneur Perry qui est sorti dans la cour Texas, si je ne m'abuse. Monsieur décidé pour entrer dans la course présidentielle là, monsieur sorti belle dans le mouvement Silasa. Cependant, gouverneur républicain Silasa, bon, monsieur, promesse que monsieur fait, c'est Get America Working. C'est ce titre ça que monsieur a couru. Pour qui raison? Parce que monsieur prouvait que il y a un record d'augmentation de travail dans l'État côté que la vive là, il pensait que le cap couru sous force Silasa. Pour l'opposer des hommes tels que Romney. Bonnie, parlez nous de expliquez-nous ça, straw poll, et puis parlez nous de ce qui s'est tombé, et sans compter Michel qui a mené. Bon, Jean-Claude, merci. Non, capable de dire, straw poll, là, c'est comme si il y a un sondage, il y a fait son test lié pour évaluer qui est possible, qui a gagné, caucus qui va venir très prochainement. Et maintenant, ça qui arrive, là où fait extra pour là, un bon monde qui chita, il parle avec voteurs, pour il parle de qui plan il gagne, qui ça, il cherche qu'on ait intérêt à mon yo, et il discute à mon yo, c'est ça pour là montrer. Il montre que Michel Bachmann, qui est un représentatif qui sorti de Minnesota, il a fait pile temps en parler avec mon yo, il a montré à mon yo comment quelle stratégie, il a force ou bien il y a une solution à un problème qu'on a traversé. Et il est censé présenter le fait qu'il y a la victoire là. Il montre qu'ils sont des gens qui sont réellement organisés. Ça nous les Rand Paul qui est combien de temps depuis la prendre, l'autre représentatif encore du Texas, qui deuxième de Michel Bachmann, montre qu'il est organisé réellement. Tout ça est considéré comme force pour les gens qui caucus là venir, pour qu'ils gagnent le caucus là. Mais parlant-il, malgré le fait un pile de choses pour te dénigrer Michel Bachmann, ça n'a pas de travail. Mais il y a que, puisque Perry, qui a trois termes gouverneurs dans Texas, que comme Jean-Claude dit non là, monsieur, c'est question de travail et puis question de plus moralité et tout, librement dans la campagne. Mon question de moralité, ça, ni Bachmann, tout, question, mon contre-abortion dans la question de plateforme, ça ouvre les campagnes sur lui. Ben, le bonheur, puisque la campagne dans le Parti républicain pour nomination, si vous n'êtes pas réellement conservateur, vous n'êtes pas réellement contre gay marié, je vous le dis, garçon macomé ou bien fille avec fille, ça, c'est un bagage conservateur réellement considéré. Si tout le monde qui fait partie de la Christian Coalition, eh bien, deux candidats sont réellement attractifs, moins Smith Romney, malgré Smith Romney rempli bien plus l'argent que tout le monde sait on a pour être et il rend déjà l'expérience dans la campagne. N'a pas gardé pour nous, non capable de dire c'est qu'on y a lutte dans la campagne parti républicain pour nomination réellement amusante. Son bar n'a pas qu'on y a avec Romney Perry qui entre là, il a changé équation. Et Iowa straw poll là, premier test pour 2012, t'es parti samedi là côté parti républicain a APC pesé et pour aller dans la balance GOPA, eh bien, avec un test de un bulletin qui a été tiré dans samedi, qui débat résultat, qui était que Michel Bachmann remportait la victoire. Cependant,
c'est pas un résultat qui binding, je veux dire, c'est pas un résultat qui est vraiment justifiable, c'est pas un résultat qui légalisé et résultat ça. Mais son résultat qui va démarrer tout, comment les futurs mois pralier dans différents états qui va le diriger, parce que dans l'esprit de dans le monde politique des voters, des points va commencer dans Iowa, des tendances à courir sans arrêt jusqu'à destination finale, jusqu'à New Hampshire. En dernière note, c'est dollar là qui a pas faibli et permettre que en pile manufacture, plus particulièrement dans auto-industrie, senti que yo bagala marché pour yo boni, monde économique là a chaviré pendant ce temps, la trouble tombée dans la France tout récemment, la Chine qui prêtait en pile avec les États-Unis et a questionné, Japon qui est en deuxième position, ça peut être les quatre pays qui vraiment ça contient l'Angleterre. Et qui est l'autre, ça, qui prêtait plus comme les États-Unis. Il a toujours dit depuis les États-Unis grippé, ou bien depuis le tousser, tout le monde grippé. Comment le monde économique ça y est, et je ne veux dire là, en faveur ou en désfaveur de président Barack Obama? Bon, pratiquement, selon Barack Obama, qu'il était déjà projeté, ça a été demandé au Congrès ou à Balil, mais il parlait tout, que côté que. États-Unis capable de résoudre le problème n'est pour contre lui. Mais c'est pendant trois institutions qui évaluent le crédit. Nous voulons parler tout d'abord de Moody's, Fitch avec S&P. Eh bien, c'est non seulement de valoriser les États-Unis. Mais c'est pendant que pensez que les pays admettent que les États-Unis sont toujours demeurés pays plus puissants, côté qui est réellement safe pour mon investir l'argent. Ça, il ne doit pas descendre les États-Unis, j'en vous pense. Cependant, Obama, c'est lui qui est héritier, ça fait là. Et Obama a 16 mois pour le corriger. Ce qui veut dire que pour le passer, on loi appropriée pour le monde des congrès, pour passer une loi appropriée, d'abord pour créer travail, avec pour réellement commencer par payer des dettes. Ça veut dire conséquence là, on bonne dépense, on bonne baillot qu'on fait, surtout dans le service social avec défense, cap obligé de couper. C'est ça qu'a fait, mais Obama promet pour le faire ça. Il a commencé dans Michigan, il parlait de ça, il dit que si le congrès, pas la bataille, j'ai eu ta bataille là, il n'est pas capable de donner une solution. Sacrifié à ta privé, il mettait le sous-congrès. Et le peuple a tout mis le sous-congrès parce qu'il évalue à 14%, contrairement avec Obama, 41%. Dans la question de ce qui s'est passé là, ça n'a pas parlé de plafond monétaire qui a fait discussion depuis bien longtemps, qui la loi qu'on est là. Mais il n'est pas satisfait, mon dit, il n'est pas satisfait S&P. C'est pour ça qu'il descend aux États-Unis de 3 et il descend dans 2 et plus. Obama dit que c'est un lit qui commence, il faut le finir, travailler pour le faire. Là, il y a 16 mois pour le faire, parce que c'est il passe sous l'administration, l'héritier. Le problème, ça, il faut Obama résoudre. S'il y a une chance pour le réélire.